Bonjour à tous. Je vous retrouve donc. Je pense que là c'est la troisième vidéo que je tourne. Je vous retrouve pour le vernissage de mon tableau. Donc, je vais vous montrer le matériel que je prends. Bah déjà, je prends du vernis comme ceci, du vernis céramique. Voilà, j'ai préparé donc le vernis céramique. Dans ce petit pot, il y a du diluant pour nettoyer mes pinceaux. Et je me suis préparé 4 pinceaux. Mais je prends des pinceaux comme ceci. Et tout ça dépend, comme ça dépend les pièces que je vais vernir. Donc, je vais en vernir un petit peu. Je mettrai en pause et je finirai après avec vous parce que ça va être très long à faire. Donc, on va commencer. Je vais peut-être le remuer un petit peu. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors j'espère que vous allez voir parce que moi j'étais obligée d'allumer parce que je n'ai pas de lumière et ça me gêne beaucoup si je mets pas de lumière. Donc déjà pour le vernis, quand on met du vernis, eh ben on ne l'étale pas, on le laisse. Il faut le laisser et pas l'étaler. Parce que si vous l'étalez, c'est comme ça que on voit les comme ça les superpositions de vernis et ça fait pas beau. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Là, il y a une bulle. C'est pas évident, hein. Je pense que c'est le pinceau qui va pas. Je vais en essayer un autre. Non, il va pas celui-là. J'essaye celui-là. Ah. Voilà. Ah, il y a le problème du pinceau. Là, c'est bon. Donc là, il y a des trous. Ah, il bulle. Ah, faut pas que ça bulle. Bon, on va laisser sécher, on verra bien. Bon, on va continuer. Je vais voir, je vais bien voir. Mais là, il est en train de buller. Ça va. On va faire la cabane des oiseaux. Ah, le petit là, il va bien comme pinceau. Il va falloir que... Ah ouais, il va très bien. À mon avis, tout à l'heure, c'était le pinceau
qui m'a fait des bulles. Ah oui. Je vous montrerai après, hein, parce que je peux pas arrêter, parce que le vernis, si je l'arrête, ça va pas aller. Puis comme il fait chaud dans la pièce, je vais peut-être fermer ma fenêtre. Ça me plaît bien. Je vais fermer ma fenêtre. Je pense que ça sèche trop vite. Voilà. Je pense que ça sèche trop vite. Et donc là, mon vernis, le vernis là, il a... Faut que je bouge parce que je ne vois pas. Donc, je vais déjà vous montrer. Je vais mettre le pinceau. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Puis je peux pas trop. Voilà. Voyez la brillance? Donc ça, c'est du vernis céramique. Et mais je peux pas trop le bouger. Parce que autrement, ça fait des trous. Donc, je viens de voir un petit manque là. C'est là. Voilà. Donc, je vais continuer avec les pots en haut. Et je vais mettre ça là. C'est bon.
je vais faire le tableau. Vous m'excuserez, hein, mais je peux pas parler. Il va pas celui-là. Et celui-là. J'en essaye un, hein, des. Des pinceaux. Enfin, j'en rachète parce que vraiment ça ne va pas. Il a l'air d'aller celui-là. Donc celui-là, je vais le remettre dans le produit. Donc le pot. J'espère que vous voyez parce que je ne fais pas du tout attention au téléphone. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Il va bien ce petit, hein, le petit pinceau là. Oh, enfin, je vais mettre de côté. Il me plaît bien. Donc, après, il y a la pagnette à fruits. J'aurais dû vernir le pot en dessous avant. Après, on va faire le pot là-dessous avec le couvercle. Après, celui-ci. L'assiette. Ça me plaît bien. Après, on va faire le pot là. Je tourne mon cadre parce que il y a des pièces qui sont en dessous. Je vais faire le torchon.
pot, que je renverse pas le pot, il manquerait plus que ça. Voilà. Après, on va tout bien laisser sécher. Là, ça m'embête. Alors, on va faire l'arrosoir. La paume d'arrosoir. La petite baguette qui se trouve là, le dessous, il me faut là et là, la petite feuille qui se trouve là, la feuille là. Voilà. Donc, maintenant, il me faut toutes les feuilles et les fleurs. Lequel que je vais prendre? Je vais peut-être prendre le gros là. Mais je vais couper les poils. Je coupe les poils. Parce que... il m'embête. Les poils du pinceau. Oh, je répondrai pas. Aujourd'hui, c'est le jour du téléphone. Ça n'arrête pas. Bon. Alors. Moi, j'avais dit que je mettrais en pause et que je ferais le vernissage. Mais en fin de compte, ben, j'ai pu faire tout mon vernissage. Donc après, je vais le laisser sécher. Et... par contre, là, c'est des tout petits morceaux. J'ai rien oublié, non? Une petite pointe. Donc là.
fleur là, ni la fleur là. Je regarde, est-ce que je n'ai rien oublié? Ça c'est bon. Non, ben j'ai tout verni. J'ai tout verni. Ça, ça. Ça, je le laisse comme ça. Et ben c'est bon. Donc, je vais refermer mon vernis pour pas faire de catastrophe. Je vais mettre ça là. Et je vais remonter un petit peu. Je m'excuse, mais je remonte un petit peu pour vous montrer. Alors, je sais pas, mais voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas trop le manipuler. J'ai passé un vernis céramique dessus. Donc là maintenant, il faut que je le laisse sécher. Hein? Je vais le laisser sécher. Et quand il sera sec, je vous le montrerai donc en plus haut. Comment ça? Avec le portable un peu plus haut. Parce que là, vraiment, je peux pas. J'ai peur. Là, je viens de mettre du vernis et je ne veux pas trop le manipuler. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et je vous montrerai à une prochaine étape comment le rendu que ça fait. Voilà. Et ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Parce que la prochaine fois, ça sera l'encadrement. Au revoir.